Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Et je commence déjà. Moi c'est quoi ce bazar? Je parle depuis ce matin, tout va bien, puis là je suis enrouée. Donc on est dimanche, on se fait une petite journée en famille. On part à Ivoire, qui est une très très jolie ville en bordure du lac Léman. Donc il y a un peu plus de 40 minutes de route de chez nous. Ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Moi je me souviens même plus vraiment de cette ville. On n'y est jamais allé. Enfin nous on n'y est jamais allé. Non, on est allé à Thonon, on est allé à Évian. Ivoire, moi j'ai dû y aller en étant petite et c'est vrai que je m'en souviens pas. Ou alors je mélange toutes les villes à la fois. Bon bref, donc voilà, on y va. Il fait très très beau aujourd'hui, il fait pas très très chaud. Mais, enfin il fait quoi? Il fait 20... Là il fait 19, mais bon, il est encore tôt. On verra un peu plus tard, mais il va faire une vingtaine de degrés. Donc voilà, on va manger dans un resto qui a l'air pas mal, qu'on a trouvé comme tout le monde sur TripAdvisor, parce que je crois que tout le monde fait pareil. Donc voilà, puis après petite balade prévue, donc voilà, on vous emmène avec nous. Arrivé à Thonon, qui est à 20 minutes à peu près d'Ivoire, et donc voilà, on va se balader, boire un verre un petit peu plus loin. Voilà, la vue est magnifique ici aussi. Je sais pas si vous avez entendu, il y a un monsieur qui a la musique de James Bond dans sa voiture, et donc voilà, on va se balader. La météo est absolument magnifique, c'était vraiment le bon jour pour venir se balader ici. Juste à côté d'Ivoire, dont on vient, qui est là-bas. Donc là c'est Thonon. Là-bas c'est Genève à peu près. Toute cette rive là c'est la Suisse. Par là-bas c'est Lausanne. Et par là-bas c'est Évian, qui a donné son nom donc à l'eau d'Évian. Comme vous voyez, niveau météo aujourd'hui c'est absolument magnifique. L'eau est turquoise et Quentin est là avec la petite. De monter dans le centre-ville de Thonon et je filme les fesses de Quentin, mais tout ça pour dire que on monte à pied et ça grimpe pas mal, et Quentin a la poussette avec la petite, je l'admire. Voilà, on n'a pas voulu prendre le funiculaire. T'as dit bonjour monsieur? Oui, je dis bonjour. Ah bah c'est sympa. On n'a pas voulu le prendre, mais on regrette. Bon, c'est pas qu'on regrette, mais bon, c'est sûr que la montée est assez raide en poussette. Alors, pour redescendre de Thonon, on a trouvé un chemin un peu moins escarpé. Et vous avez percevé au bout là-bas le lac. Donc, question vue, c'est plutôt pas mal. Donc, nous voilà de retour à la maison. Donc, on a passé une super journée à Ivoire, Thonon, etc. On s'est baladé en ville comme vous avez vu et on est rentré. Inès s'est endormie comme à chaque fois dans la voiture, dans son siège auto, et on vient de tenter de la remettre dans son lit. J'ai le babyphone devant moi. On n'a pas l'air franchement décidé à repartir pour une sieste, mais on verra bien. On va tenter du coup de regarder un épisode de Game of Thrones. Vous êtes
peut-être fans de la série, je pense que la plupart d'entre vous sont fans de la série. Moi j'arrive du coup 6 ans, 7 ans après tout le monde, puisque donc j'en suis à la saison 2. Oui, c'est ça. Et Quentin, lui, suit la série depuis ses tout débuts. Donc lui, il en est déjà à la saison 7, mais il re-regarde les épisodes avec moi. Il est quand même super sympa. Mais il est tellement fan que ça lui pose pas de soucis. Donc voilà, je suis complètement accro. Finalement, heureusement qu'il regarde avec moi, parce que du coup, il m'explique certains trucs, parce que... en gros, si vous avez démarré la série dès le départ, je vous admire, parce que moi, de comprendre... comment s'articulent les familles, les cousins, les neveux, les tantes, entre ceux qui meurent, ceux qui arrivent, ceux qu'on découvre, j'ai toujours un peu de mal à suivre, donc c'est bien d'avoir un petit conseiller à côté de soi. Et voilà, donc je sais pas combien d'épisodes on va faire, ça dépend si la petite s'endort, mais de toute façon je sais qu'on en regardera également ce soir. C'est ma peluche qui est derrière moi, si vous vous demandez, ma peluche du chat d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, on va regarder... un épisode ou plus. Alors on a réussi à regarder deux épisodes de Game of Thrones puisque Inès a été très sympa et a fait une grande sieste. Et donc bon, avec tout ça on est un petit peu à la bourre, il est bientôt 20h. Donc c'est l'heure du bain, donc je suis en train de tout préparer et Quentin est en train de la déshabiller. Et après l'heure du biberon et après coucher. Donc voilà, je vais arrêter le vlog ici parce que je sais même pas si on va manger grand chose ce soir, je pense que voilà, on va rien faire de passionnant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie comme d'habitude. Je vous embrasse et on se dit à bientôt.